Très sincèrement, on ne vous a jamais vu comme ça, au bord des larmes, en train de parler de cette vidéo. Ben pourtant, ça fait longtemps que je suis un militant actif de la cause animale. D'ailleurs, il en est question dans votre dernier livre dont on va parler. Tout à fait. Et c'est vrai, j'ai d'ailleurs fait un livre sur les animaux qui s'appelle « Lettre ouverte aux animaux ». Ouais. J'essaie d'exposer une conception philosophique de l'animal pour ne pas le considérer simplement, les considérer comme des choses et des objets, mais évidemment comme des êtres doués de sensibilité, conscients, qui souffrent, qui ont de la compassion. Et donc, on ne peut pas les traiter comme on les traite dans l'élevage industriel intensif et dans les abattoirs. On va en parler parce que ce sont des images très dures. En l'occurrence, nous avons fait le choix de les flouter pour partie, oui, bien sûr, pour oui. Épargner notamment les plus jeunes téléspectateurs. Ce sont des images insoutenables, des images insoutenables de créatures vivantes qui sont enfermées, maltraitées, battues jusqu'à la mort à l'abattoir. Pourquoi avoir voulu diffuser ces images-là en particulier? On sait que l'association L214 en fournit régulièrement, mais vous l'avez relayé, vous l'avez commenté. Bon, moi, j'accompagne plusieurs associations depuis longtemps. J'avais déjà milité avec 30 millions d'amis pour faire reconnaître dans le Code civil français la sensibilité des animaux. Oui. Donc, c'est un des combats qu'on a menés avec 30 millions d'amis. Et ça a été un long combat. Et un long combat. Brigitte Bardot avait commencé 30 ans avant et puis on a fini par aboutir en 2015. Et donc, finalement, L214, ben, je travaille régulièrement avec eux. Et là, ils m'ont demandé si je voulais commenter ces images. Et effectivement, quand je les ai vues, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'à notre époque, on vive encore avec une relation aux animaux, mais totalement barbare. Je dis d'ailleurs à la fin de la vidéo, dans 50 ans, je suis sûr que nos descendants, s'ils voient ces images, ils diront, mais comment les humains de cette époque pouvaient avoir des pratiques aussi horribles? Et ce sont des images qu'on espérait ne plus voir. Ne soyons pas complices. Elles ont été tournées, ces images, en janvier et février dernier, dans un abattoir du Finistère. Déjà plus de 100 000 signataires pour en exiger la fermeture. Ces images sont dures. Et d'ailleurs, on en parlait pour savoir, vous qui avez toujours trouvé les mots, comment dire, paisibles pour attirer notre attention, même sur les sujets les plus difficiles, pour parler de la mort, pour parler de la maladie comme philosophe. Là, pour le coup, oui, vous acceptez la brutalité de l'image. En fait, parce qu'on n'a pas le choix pour faire bouger les choses. C'est-à-dire qu'en fait, cette situation, elle existe depuis des années. Elle est dénoncée en permanence par un tas de personnalités, d'associations, et rien ne change. Oui. Et ce qui peut faire changer les choses, c'est la brutalité des images. Tant qu'on ne montre pas ce qui se passe réellement, les gens oublient ou ne sont pas assez touchés. Et surtout, les politiques ne font rien. Alors justement, c'est ça le drame, c'est qu'ils le savent. Ils ne font rien ou ils ne font pas assez. Ou en tout cas, Mélanie, c'est vrai que la situation, on ne sait plus où on en est. Oui. Bah, les choses bougent un petit peu, en tout cas ces derniers temps. L'Assemblée nationale a adopté... Grâce notamment à ces images. Grâce à toutes ces actions, effectivement, ouais. L'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi contre la maltraitance animale. C'était fin janvier, quasi à l'unanimité, en première lecture. Alors depuis, c'est vrai que ça traîne. Le Sénat n'a toujours pas inscrit l'examen du texte à son calendrier. Et puis même si le sujet prend de l'ampleur, on le voit là, quand on décortique bien cette loi, finalement, on se rend compte qu'aucune mesure n'est prévue pour éviter ce genre, pour le coup, de maltraitance inadmissible qu'on voit dans cette vidéo. Rien, par exemple, pour encadrer tout ce qui est élevage intensif, par exemple. Vous parlez des politiques, justement. Est-ce qu'ils ont leur responsabilité? Est-ce que c'est un premier pas, ce qui est fait, et ça va dans le bon sens, ou c'est largement trop lent? Je vais vous dire franchement les choses. Le ministère de l'Agriculture est complètement noyauté par la FNSEA, c'est-à-dire le plus grand syndicat des agriculteurs, et ils ne font rien. C'est-à-dire, chaque fois qu'on leur dit « mais agissez », c'est la responsabilité du ministère, notamment de superviser les abattoirs et de faire des audits, de voir, eh bien, régulièrement... Mais cet abattoir avait été supervisé, il a été audité en 2016. Suffisant. Oui. Ils avaient dit qu'il faut absolument le remettre aux normes, etc. Mmh. Rien n'a été fait. Il n'y a aucune volonté politique d'aller contre ce type de pratique. Pourquoi? Et là, on est tous complices. C'est ce type de pratique justement, existe à cause de la rentabilité, du rendement. Oui. Et qui souffre autant que les animaux? Peut-être pas autant, mais qui souffre aussi? Les gens qui tuent les animaux. C'est-à-dire qu'ils ont des cadences infernales. Et pourquoi est-ce qu'ils vont torturer les animaux pour qu'ils aillent plus vite, pour qu'ils meurent plus vite, en leur mettant des aiguillons électriques dans l'anus, dans les yeux, etc. Parce qu'on leur dit, vous devez tuer tant d'animaux par jour. Et d'ailleurs, il y a une souffrance au travail des employés, terrible, des abattoirs, terrible, qui est terrifiante. C'est une lutte que nous menons à la fois pour les animaux et pour ceux qui travaillent dans les abattoirs, dans des cadences infernales. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour que le prix soit le plus bas possible. Et donc, tant que nous continuerons d'acheter du porc, de la viande, etc., au plus bas prix,
il est clair que ce sera encore ça qui permettra à ce type de réalité horrible d'exister. Donc il faut, nous consommateurs, refuser de prendre des animaux qui ont été élevés et abattus dans ces conditions-là. Il y a la compassion évidente quand on regarde ces images et tout simplement quand on apprend les conditions dans lesquelles sont élevés ces millions, milliards d'animaux destinés à la mort. Et puis en même temps, la difficulté à rompre avec ce type d'élevage là, l'élevage industriel. On a vu une sénatrice, Esther Benbassa, elle est écologiste, en faire la proposition. Vous y êtes évidemment favorable. Tout à fait. Alors, c'est une utopie. Alors, ce n'est pas totalement une utopie. Parce qu'en fait, on nous dit souvent, oui, mais si vous augmentez le prix de la viande, vous pénalisez les foyers les plus pauvres. C'est-à-dire que les gens, et c'est vrai, mais la solution, c'est tout simplement de manger moins de viande. Oui. Et à budget égal, au lieu de manger de la viande tous les jours, si vous en mangez que 3 fois par semaine, eh ben, vous ne payerez pas plus cher. Sauf que vous payerez plus cher une viande où les éleveurs auront travaillé dans des bonnes conditions et où les animaux ont été bien davantage respectés. Et les coûts, c'est vrai que les coûts écologiques sont absolument dramatiques, particulièrement en Bretagne, autour de ces élevages monstrueux. Alors, juste terminer pour dire que l'action a quand même réussi. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est fermé, cet abattoir. Mm. Et immédiatement, une enquête a été, le procureur a dit que c'était des faits très graves, une enquête est menée. Donc, ça a eu un impact. Mais on se doute que peut-être que dans 6 mois, ça va repartir et qu'il faudra à nouveau des images. Donc, il faut que le ministère de l'Agriculture, maintenant, fasse son travail et que les inspecteurs qui viennent obligent systématiquement tous les abattoirs qui ne sont pas aux normes de les remettre aux normes. Il faut qu'on ralentisse les cadences. Et là, il y a un gros travail à faire avec le ministère. Et tant qu'il n'y a pas cette volonté politique, il ne se passera rien. Mais il y a des gens qui se mobilisent, vous et tant d'autres. Oui, oui. Et heureusement, et vous, en l'occurrence, vous le faites aussi à travers un conte philosophique. Et c'est frappant de voir la manière dont vous abordez cette question-là dans un conte où, par exemple, un de vos personnages rappelle que tous les êtres vivants, même les végétaux, ont une sensibilité. Et il y a cette phrase que je trouve vraiment très forte et qui est à méditer. Manger est un acte sacré. Oui. Et vous posez la question, est-ce un mal de tuer un animal pour survivre? Ça, alors, c'est une question non. Que vous avez tranché. On peut tout à fait tuer un animal pour survivre. Mais si on n'est pas dans la survie, et si on peut éviter de tuer un animal et qu'on peut manger autrement, c'est mieux. Oui. Donc c'est pour ça que je pense que le végétarisme est une très bonne solution. Mais tout le monde ne peut pas être végétarien, c'est pas si facile. Il y a des gens qui ont des difficultés à l'être, il y a des gens qui n'ont pas envie de l'être. Mais alors si on n'est pas végétarien, sélectionnons ces rayons du discernement sur la viande ou le poisson qu'on mange. Vaut mieux prendre du poisson pêché en pleine mer que du poisson d'élevage. C'est Vaut mieux prendre des poulets élevés en plein air que des poulets élevés en batterie. Enfin, c'est là qu'il peut y avoir un discernement et chacun est un peu responsable. C'est pour ça que je dis c'est un axe sacré. Parce que quand on mange, on tue un autre vivant. Mais c'est la loi de la vie. Les animaux se mangent entre eux. Donc, il faut savoir que quand on mange, il y a eu un sacrifice d'un être vivant. C'est pour ça que moi, en prendre conscience. Et du coup, peut-être avoir, je dirais, peut-être une pensée simplement. Moi, je remercie. Quand je mange, ça m'arrive de manger des fruits de mer ou du poisson. Ben, je remercie. Je dis, il y a un être qui a donné sa vie pour moi.